Bonjour! 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 Alors, ça se passe bien le confinement? Ouais. On va faire un jeu. Je pense à vous, on va faire un jeu. Un genre de quiz. D'accord? Bon, D'accord? vous êtes prêts? On est prêts? Bon. Ouais. Alors, c'est une femme. C'est une femme. C'est une. Bon, maintenant, elle est morte. Hein. Mais c'est une femme. Son nom? Son nom? Hein? Âgée, vieille, Elle est morte, elle est morte! elle est morte, Jeanne Calment. Ah non, pas Jeanne Ah, Calment. Jeanne d'Arc, Jeanne Elle d'Arc. attendait des voix, elle attendait des voix. Donc, bien, Jeanne d'Arc, qu'est-ce qu'elle disait? Jeanne d'Arc, elle disait, il faut, elle attendait des voix, elle a dit, il faut libérer le gouvernement du royaume, patati, bon, enfin bref. Mais aujourd'hui, il y a une copie de Jeanne d'Arc. Et la copie, c'est Marie Le Pen. Marine Le Pen. J'allais le dire. Alors, pourquoi? Parce que Marine Le Pen, elle attend des voix. Elle attend pas des voix. Elle attend des appels à la prière. Oh non! Mais on est en confinement et toutes les mosquées sont fermées et il y a un vigile. Où elle a entendu ces appels? Pour moi, non, 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 mais blague à part, hein, ça fait partie du quiz. Je crois que Marine Le Pen veut se convertir à l'islam. Si elle attend les appels à la prière, elle seule, bon. Deuxième personnage, c'est un homme. C'est un homme chien. C'est un chien. Un chien. Oh, bah, t'as un Milou. Non. Rentre en plan. Non. Éric Zemmour. Éric Zemmour, le chien. Non, c'est pas moi. Éric Zemmour, parce qu'en plein confinement, il y a plus de 10 000 morts. Mais ce n'est pas 10 000 morts français, c'est français. Algériens, Marocains, Tunisiens, toutes les races qui sont morts. Et monsieur, il voulait parler du coup de couteau. Ça le démange. Un immigré. Un immigré. Voilà, le troisième, traumatisé. Le troisième, il est jaune. Un petit poussin. Un petit poussin. Non, c'est Trump. Les cheveux jaunes. C'est Trump. Vous comprenez? Bon, écoutez, on va arrêter là. Essayez de réviser un petit peu des personnages politiques, tout ça, et demain, on fera une nouvelle série.